Alors, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide avec quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. Certains savent déjà ce que c'est. Il s'agit d'une balise acoustique d'écolocation, en fait. C'est un dispositif qui est monté sur les boîtes noires afin de les localiser si jamais elles tombent dans l'eau. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà vérifier si elle marche. Et ensuite essayer de capter le son puisqu'elles émettent avec un pic à une fréquence de 36 kHz si ma mémoire est bonne. Donc avec un enregistreur audio à spectre étendu, on est censé la voir. Donc voilà. Alors pardon pour le gaspillage, mais j'avais pas trop envie de la saloper avec le calcaire de l'eau du robinet, donc j'ai acheté une bouteille d'eau de source. Vu que c'est du 36 kHz, normalement, à l'oreille humaine, on devrait rien entendre. Maintenant, je sais pas du tout comment ça va réagir. Alors le zoom, il est capable d'enregistrer à 96 kHz, divisé par 2, normalement, on est au-dessus des 36 kHz, donc ça devrait le faire. Il reste de la batterie. Alors, comment ça fonctionne cette balise? Bah, en fait, c'est tout simple. À l'intérieur, il y a une pile, effectivement, et le contact, en fait, entre les deux bornes de la pile et le circuit se fait ici, en fait, avec l'eau. Ce qui fait que tant qu'elle est dans l'air, il n'y a aucun problème, le contact se fait pas, la balise reste inerte. Mais dès qu'elle est plongée dans l'eau, alors que ça soit de l'eau salée ou de l'eau douce, hein, parce qu'un avion, ça peut aussi tomber dans un lac, en fait, ça fait contact entre le pin central au milieu ici et le corps de la batterie juste là. Tant que la balise est immergée, elle fonctionne, et en général, elles ont une durée de vie d'à peu près un mois. Je sais plus tous les combien est lancé le signal sonore, mais ça doit être plusieurs fois par minute, il me semble. Alors, je sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais en fait, le vu-mètre là, quand je parle, il est à un certain niveau. Mais dès que je vais m'arrêter de parler, vous voyez les deux petites barres en fait, ça représente le maximum courant du volume. Quand je vais arrêter de parler, en fait, elles vont pas redescendre à zéro, elles vont rester. On va voir de temps en temps un pic apparaître. Donc, on va enregistrer. Ça a l'air de extrêmement bien marcher en fait. Alors, peut-être que je me trompe entièrement, hein. On sera un peu obligé de voir au montage là, parce que de toute façon, c'est inaudible, même si je repasse l'enregistrement maintenant. Alors quand je me concentre, j'entends un espèce de tic-tac comme une montre, et en fait dans mon appartement je n'ai pas de montre, donc c'est peut-être... Alors je vais sortir la balise de l'eau en gardant l'enregistrement et en essayant de voir si ça fait toujours cette espèce de tic-tic. Je vais la remettre dedans. Ouais, il y a une différence flagrante, hein. Les espèces de petites barres, en fait, elles sont plutôt ici au maximum. Quand la bassine est vide, elles sont plutôt ici. Et je recommence à réentendre effectivement le petit tac-tac. Bon, et ben voilà, maintenant il ne reste plus qu'à dérocher un peu, donc on va voir ce que ça donne. Donc on est avec nos petits fichiers son, j'ai ouvert notre éternel Audacity. Et c'est parti. Moi je vais isoler une espèce de partie comme ça en fait. On a un cliquetis qui est très ténu. Alors maintenant on va zoomer dessus. Ça fait bien clic. Ça fait bien clic. Maintenant, j'ai pas l'impression malheureusement que l'enregistreur ait chopé autre chose que juste ce clic-là. Ah, si, 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 on a bien un pic. Ok, ah, j'ai rien dit. On a un pic à 37, 366 kHz à peu près. Bon, alors là, je pense qu'effectivement il y a des c'est de l'imprécision due au matériel. Donc on a bien un pic effectivement à cette fréquence-là, il est plutôt très clairement visible. Bah voilà, là on écoute vraiment la voix de la boîte noire, c'est vraiment ce qui permet de retrouver l'avion quand il est dans l'eau. Ah. Alors là, c'est déjà plus propre, effectivement, parce qu'on a notre espèce de pic à 37 kHz. Et on peut constater que par rapport au reste, même si bon, on n'est pas dans un environnement contrôlé où il n'y a pas de son, par rapport au reste, c'est franchement, franchement pas mal. Parce que le pic, il est vachement fort par rapport au bruit ambiant quand même. Ouais, donc une fois de plus, hein, confirmation, toujours la même fréquence, hein, 37, 366. Ça a l'air d'être le pic, donc ça a l'air d'être la fréquence. Alors, soit c'est cette fréquence-là exacte, soit il y a un peu de distorsion avec, je sais pas trop, le matériel ou autre chose, mais en tout cas, effectivement, c'est dans les eaux que j'ai lues, 37, 38, bon, c'est
Faudrait que je regarde, mais c'est à peu près effectivement ce que j'avais vu. Donc voilà, et ben cette petite balise fonctionne à merveille. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos stupides. Allez, salut!